À l'origine, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre la parole. Quand j'étais enfant, je bégayais, je ruminais, je mettais beaucoup de temps avant de formuler une phrase. J'avais l'impression qu'en fait, l'oralité, c'était le brouillon de l'écriture, qu'on disait des phrases trop vite, qu'il y a des choses qu'on ne disait pas. Et donc, plus tard, je me suis rendu compte d'où venait ce rapport en fait, aux autres, et j'ai mis un mot dessus, l'introversion. Mais plus qu'une tare, je pense que l'introversion est une grande force parce que très tôt, en fait, j'ai ouvert des livres, j'ai vécu des choses, j'ai questionné les gens et je me suis fait petit à petit un jardin secret qui d'abord n'était que le mien et que petit à petit, j'ai partagé en écrivant d'abord des articles journalistiques, puis des nouvelles, puis ce roman et j'ai prévu de continuer. Et ce que je cherche en écrivant, c'est... ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, c'est vraiment de me perdre dans un texte, que ma vie soit celle des personnages, qu'ils m'apprennent des choses que je ne sais pas, qu'ils me donnent à voir des réalités auxquelles je ne peux pas avoir accès. Je lis et j'écris pour me tromper sur mes certitudes, pour les confronter, pour les nuancer, pour les enrichir. Et maintenant que j'ai appris à prendre cette parole, j'aimerais en fait... revenir à cette introversion, aux gens qui écoutent, aux gens qui se posent des questions, aux gens qui doutent. Je pense que ces gens-là ont beaucoup à nous dire. Le roman est un des territoires de cette complexité. Je pense qu'il y en a d'autres. Et j'aimerais qu'on écoute plus les introvertis. Moi, encore aujourd'hui, je fais attention quand, au sein d'une assemblée, quelqu'un ne dit pas mot. Quand quelqu'un parle trop fort, le monde aujourd'hui est plein de gens qui parlent fort, trop fort parfois, qui occupent et qui ne laissent pas la place aux gens qui se taisent. Et ces gens-là, je pense que c'est des gens qui font des synthèses, c'est des gens dont la parole est essentielle parce que c'est une parole de la nuance, de la complexité. Dans mon roman, ça se retrouve dans L'envers de l'été, ça se retrouve à travers... à nouveau, cette question de la parole, c'est des paroles, c'est des secrets en fait, de famille qui ne sont pas dits ou qui sont mal dits et qui, en étant pas dits, se transforment en malédiction, qui est l'étymologie même de ce mot, le fait qu'on ne dise pas les choses, et qui vont se révéler à travers la quête du personnage principal qui va aller sonder justement ces non-dits, qui va faire parler ceux qui ne parlent pas, et notamment les femmes de sa lignée. Et voilà, moi, je pense que la littérature, ça permet ça. Ça permet de mettre des mots sur des choses qui sont trop complexes pour être dites en une conversation, ni en deux, ni en trois, qui ont besoin de temps. En ce moment, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe en Palestine et en Israël, à ce terrible, à cette tragédie, en fait, humaine et sur laquelle les écrivains palestiniens ont beaucoup écrit, notamment, je pense à Karim Khatan, qui la raconte extrêmement bien, dont les mots vont fouiller, justement, cette complexité, cette nuance. Et c'est pas naïf de penser ça, en fait. Je pense que c'est notre salut, en fait.